275 mètres de chute libre. C'est n'importe quoi. Okay, give me a, for 15 there, Russ. Il est sur la plateforme de lancement, les battements de son cœur s'accélèrent, il a du mal un peu à contrôler toute cette émotion qui l'envahit parce que 275 mètres, aucun humain au monde n'est allé jusque-là. Est-ce que la corde va tenir? Est-ce que le système va tenir? Est-ce que les points d'ancrage vont pas sauter? Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent et là il se souvient un peu de la formation et de tout ce qu'il a appris dans son enfance à travers son père, à travers l'héritage justement des samouraïs et compagnie. Et cette énergie, le fameux ki dont on parlait, il va beaucoup travailler là-dessus, il va essayer de visualiser le saut, faire une projection mentale de lui dans les airs, et il compte comme ça, 1, 2, il laisse son corps légèrement partir vers l'avant, et il finit à haute voix comme ça, 4, 3, 2, 1, et il saute. Et là, la chute libre est beaucoup plus longue que d'habitude, même ses potes se demandent si c'est normal que ce soit aussi long, normalement ils ont l'habitude d'avoir...